bien raison, ma foi. Le gars de suite, Édouard Balladur, précisera la position française cet après-midi à l'Assemblée nationale. On retiendra encore que les deux négociateurs européens et américains se retrouveront tout à l'heure à Bruxelles. En attendant le résultat, certaines personnes font ce qu'on appelle du lobbying pour expliquer la position française. C'est le cas des comédiens et des cinéastes qui réclament l'exception culturelle. Jean-Jacques Benex était sur notre plateau, il s'en est expliqué hier. D'autres ont tiré la sonnette d'alarme ce matin, c'est plus direct. À Bruxelles, reportage de Didier Eppelbaum et Jean-François Chevet. Pas facile de réunir une vingtaine de réalisateurs et de producteurs à Bruxelles. Plusieurs ont dû interrompre des tournages de films. C'est que, sous le slogan barbare d'exception culturelle, se cache un enjeu énorme, la survie du 7e art européen. Les Américains disent la liberté, le libéralisme suppose la liberté de circulation des œuvres, mais cette liberté, c'est la liberté du renard libre dans le poulailler libre. Et nous, nous serions le poulailler. Dans quelques années, l'industrie des images du son sera la plus grande industrie mondiale. Ça, c'est clair. Et nous, on n'a plus rien à foutre dans cette industrie. En Europe, dans le prochain millénium, si aujourd'hui on n'arrête pas l'agression, il faut dire ça, l'agression américaine. Et plus en plus, on voit les cinémas qui n'ont pas de signature. Ce que je veux essayer d'exprimer, c'est le cinéma avec les signatures qui compte. Est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance? Ah, peut-être, mais c'est cause d'honneur. Des absents, ou plutôt des absentes dans cette délégation, des actrices qui ont été sollicitées. Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Monica Vitti se sont décommandées. Vanessa Redgrave a fait faux bond hier seulement. Ici, on ne veut faire de procès d'intention à personne. Mais on souligne que l'offensive commerciale américaine est bien réelle. Elle est discrète, mais efficace.